j'aimerais leur faire dire que derrière mon ordinateur, je joue si bien qu'on croirait que je suis plusieurs. Et que si c'est pas le cas du codes, je suis le meilleur. Moi je voudrais devenir coréen, les yeux bridés pour juste spotter le cloque, avoir une combinaison stylée, jouer devant la foule qui gronde et gagner devant des milliers, prendre mon trophée entre deux blondes que je ne vais pas regarder. Et si je ne serai jamais coréen, on a des joueurs qui savent quoi faire de leurs mains, chers coréens, garder le niveau parce qu'on arrive. Bon, déjà, je vous préviens, c'est une vidéo comme ça pour vous montrer Harry, mais c'est vraiment mode détente, c'est-à-dire que je parlais pas beaucoup, hein. Si tu lèves les bras après chaque victoire, si toi aussi la nuit tombe et tu te dis peut-être qu'il est trop tard, que demain faudra aller bosser, que tu peux pas jouer toute la nuit. Si toi aussi tu regardes en bas, à droite sur SC2, mais que l'horloge te dit basta après 3 ou 4 heures de jeu, si tu te lèves et que pourtant t'as pas envie d'aller au lit. C'est que t'es un geek, mon gars, assume, tu en as le cran. T'es un geek, mon gars, rassieds-toi devant l'écran. Si toi aussi tu as la haine et que t'as envie de rage quit parce que pour toi gérer des games ça vient à mesurer ta bite. Si après un face d'été t'as comme une douleur dans la nuit. Si tu te demandes comment la guerre 14-18 aurait fini, si on avait eu des carrières ou si Georges avait pris parti, si tu as toujours eu envie de marcher sur le creep des pieds nus. C'est que t'es un geek mon gars, assume-le et bien fièrement. T'es un geek mon gars, assieds-toi devant l'écran. Si allongé dans ton plumard, tu te demandes comment c'est ailleurs. Si tu te dis cadeau de buta, t'irais bien plus vite qu'en voiture. Si tu prends ton café des blocs, comme Marine prend son steam. C'est que t'es un geek, mon gars, dans ton monde bien construit. Et dans ce monde-là, mon gars, j'aimerais bien rester aussi. Si tu peux suivre sur internet les meilleurs games, les meilleurs LAN, si tu peux adorer Sarens comme un foutu adulte Zidane, si tu débats sur les forums à la sortie du nouveau patch. Si on peut tous gueuler en cœur les fossiles et les vaisseaux mères, si les gens qui passent à côté pensent qu'on parle une langue étrangère, et si on peut se bouger le cul à 500 pour voir un chômage. C'est qu'on est geek, mon grand, faudra bien te faire une raison. On a pas forcément des lunettes et des boutons, mais on est geek, mon gars, comme des centaines de milliers. Dans ce monde-là, on l'a, notre place dans la société. Ouais! Oui, non, enfin, en fait, c'est. C'est une chanson de base parce que. Thank you.
Ah, le GP pas trop spotted parce que regardez, elle a le buff. Donc, je sais qu'en gros, il y a GP dans le coin. À côté d'un belle ma station orbitale a presque mal au crâne, j'avance les étoiles. Chez toi, bon Toscan, pour deviner tes phrases. Car chez moi, ça sent le bouc, ça sent plus la noisette, ça sent presque fort mieux. Et quand je t'en comme là, elle devrait se méfier parce que j'ai mon ultime, moi. Elle aussi, mais. Je sais pas qui c'est qui est la plus à craindre avec son ultime, puisque moi j'ai pas besoin de viser, elle oui. Je la corde un crétin juste en bas de ta porte. Je take encore plus fort, mais ça me fait presque mal. Colossus Traitor, sous ton contrôle râle et mon rôle en béton. Inefficace, en plus j'ai pas spot comme un con. Ton canal de l'idée. Elle m'a vendu du rêve là, là. La luxe. Hey lol. Create more fucking movement hero and smash my screen. Sortir de cette menace, j'attendrai bien mon tour pour te mettre Pelling Dias. Et tu viens réfléchir, je sais pas si je reviendrai. Et si à chaque partie tu me laisses à 3 HP, toi réfléchis bien vite. Si je suis pas si mauvais, je pourrais des fois me jouer. C'est bizarre qu'elle multiplie pas d'ailleurs. Elle a pas assez d'AP. Ah mal, elle en a pas assez. Je crois qu'elle a mis son ulti dans le vent. J'ai lancé une Xel Naga et je me suis retrouvé contre un diamant. Bon là par contre c'est très rigolo quand je reviens parce que j'ai beaucoup plus d'AP. Et je lui ai demandé s'il avait pas honte. Mon R fait beaucoup de dégâts. Oh oui, c'est moyen de s'amuser. Il a répondu. Tu sais mon gars, couler un bronze dans les deux cas, c'est dégueulasse et malvenu, mais si on se sent mal après ça, on tire la chasse en pense. Merde, elle est passée vite. Fuck. Ça ne se passera pas ainsi. C'est pour toi que j'ai fait cette plainte. Toi le malheureux, le roi du man game et le roi de la feinte. Toi qui fais semblant, toi l'état de choc. Toi qui fais ça, tout si baraque dans ton BO face banque chic look. Toi qui est en bronze, toi qu'on décide. Toi qui ne dépasse pas le rang 11, qu'enchaîne les games et qui déprime. T'es en bronze, tu regardes la cime de l'immense arbre. Et pour gravir une branche, tu trimes. Ok, j'ai un rageux en face. Pas la PM, tu te sers pas du clavier. T'as que la souris, mais t'as quand même appris à faire F10 plus et les gros contrôles. À quoi ça sert? Tu sélectionnes toute ton armée, tu fais un clic et puis t'espères. Sur l'écran, t'as pas le chrono. À quoi ça sert de voir le temps que tu perds à lire les amélios dans ta main? Y'a pas d'écho. Ah, et si vite devant chaque tourelle, chaque supply, chaque facto, t'es en bronze, rien ne t'effraie. À 200 de pop de rouge, tu fonces, même si en face y'a Mass Void Red, t'es en bronze, et tout est frais. 4 bunkers aussi photons derrière ta ligne de minerai. Tu pars sur aérien un peu fier. Croise des unités, tu te dis pourvu qu'elles ne tirent pas en l'air en all-in. T'as pas appris, mais contre deux ou trois Benling, on n'envoie pas les SIV. Escouter,
c'est un cauchemar. T'as vu l'aspire, t'attends le pire, les mutations, là c'est trop tard, tu vois pas ce qu'il y a à voir. Il est sympa, ce bâtiment s'appelle comment? Sanctuaire noir. T'es en bronze, y'a pas d'erreur. J'ai pas trouvé de rime en 11 dans les pseudos en grand master, t'es en bronze. Pourquoi tu pleures? Continue et tu finiras un jour par passer en silver, t'es en bronze. Reste patient, MC Nesty ont été bronze, et même s'ils n'avaient que 4 ans, reste en bronze. En tout ton temps, tu finiras par les poutrer ceux qui se foutent de toi en diamant. Dur. Pouah, le gameplay qui vient de me sauver la vie. Tu peux te permettre de perdre celles qui font ta chair à canon. Parce que souvent, que dalle, c'est les unités. T'es un celles qui font taf de merde. Et même dans ton armée béton, y'en a toujours quelques-unes qui s'emballent. Je suis sûrement le plus rapide. Avec mes ailes sur le dos. Ah, ça va, je prends un peu la luxe au creep. Elle a 54 sur 63, bon, j'ai déjà vu plus gros avantage, mais je suis bien. Zoom un peu sur le lot et vois nos petites bottes qui tremblent. Si vous croyez que c'est top d'être choisi comme ça, pour aller scooter de Sandpop, salut tout le monde, reviendra pas. Si vous croyez que je me marre, à m'en prendre plein la gueule, à courir jusqu'au char, tu sais, on est venu de la cercueil. Bon, ça va, j'ai fait bien peur là. Enfin, moi, c'est la peur. Je suis sûr qu'elle a peur. Parce que vu ce que j'y mets. Merde, je suis parti sur le bon objet. Ah, un poulet! Je n'ai pas pris le bon objet. Je suis assez dégoûté. Marine goûtera au split, au hit and run. Mais sous mon pote Félibac, j'avoue que ça me ferait du bien des fois qu'on me laisse à la baraque. Si vous croyez que je suis fier dans un dropship en fuite, à regarder derrière, à hurler au chauffeur plus vite, plus vite. Si vous croyez que c'est marrant de chasser les mutas pour protéger les tanks dont freine les Fire Noctura. C'est une mauvaise unité, t'es un qui te permet de faire celle qui font ta chair à canon. Parce que souvent on coûte que dalle, c'est nous les unités, t'es un celle qui font ta de merde. Bon, j'espère que vous aimez bien la musique de Monsieur Vert, parce que ça fait deux fois d'affilée que je vous la mets. Ah, il y a Gangplank. C'est nous les unités, t'es un celle qui peut faire ta game. Quand on envoie une au cimetière, c'est pour ton bien. Et c'est pour ça que pour nous les unités, t'es un faudrait que tu l'aies quand même. Cette pensée est toute particulière. Donc je veux savoir, celui que j'appelle Alex, c'est mon cousin. Hein. Oh, là ça va devenir rigolo. J'en ai ras le bol d'être toujours. J'en ai ras le bol, maillage. Moi j'aimerais être juste un seul instant. Un peu plus petit, mais on fait un peu plus grand. Merde.
Elle est taffée. J'en ai ma claque. Que j'ai rentré la soirée m'entraîner pour un niveau que je n'atteindrai jamais. Ah ok, elle est vraiment nulle. Je ne la poutrerai mais... lol. Jouer à StarCraft la nuit et la journée. Là, elle va rager un coup. Être payé à ne faire que ça. Vivre dans une maison de gamer où la vie n'a plus d'importance. Où l'agressivité et l'honneur font oublier ce qu'est la chance. Moi, j'aimerais être un vrai coréen. Pour les timings, défier les lois du temps. Et regarder américains, européens en leur disant entraînez-vous, je vous attends. J'aimerais tant tuer des Erglings, Ethan Renan. Avec trois marines, j'aimerais tant pouvoir avec un prisme micro-gérer immortels îlots des centries. Immortels îlots des centries, les îlots des centries. Oh oui, ne me dis pas que. Ah non, dommage. Devenir coréen, avoir 100 doigts pour 500 d'APM, pouvoir m'asseoir juste en face d'un joueur, le regarder droit dans les yeux, dire au fond de lui la terreur, lui dire chez toi t'es peut-être un dieu, mais on joue pas sur le même ladder. Moi je voudrais être un vrai coréen, dont les timings défient les lois du temps, et regarder tout le reste du monde enfin en lui disant serait de toi, moi je t'attends. S'appeler Monsieur Vert, c'est pathétique. Là je les touche pas parce que je vais me servir de pour régène en fait. Allez voir, hop. Yolé. Full life, quasi. J'aimerais faire délirer les commentateurs et leur faire dire que derrière mon ordinateur je joue si bien qu'on croirait que je suis plusieurs. Et que si c'est pas le cas du fait, je suis plus. Moi je voudrais devenir les yeux bridés, j'ai spoté le coach, avoir une combinaison stylée. Jouer devant la foule qui vont gagner devant des milliers, prendre mon trophée entre deux blondes que je ne vais pas regarder. Et si je ne serai jamais coréen, je me dis que même de l'autre côté de la rive, on a des joueurs qui savent quoi faire de leurs mains, chers coréens, garder le niveau parce qu'on arrive. Et merde. Ça fait des steaks, avec de bonnes APM. Ça fait sauter n'importe quelle arme, mais c'est ça qu'on aime. Ça fait des steaks avant qu'ils ne te débordent. Protoss regarde au loin et fuit devant les overlords. Et si tu fais l'erreur de leur faire un vortex, ça rentre, ça sort, ça gicle, c'est drôle, puis ça me rappelle une ex. Allez, gâchons des scans et j'autre crochet sans tricot. Et ça fait des steaks, et tes rats gèrent bien ton split. Si tu es sur le grip, fais le bien et fais-le vite. Fais des steaks, de forteresse planétaire. Si l'union fait la force, laissons les bénis faire de reste. Ça fait des steaks, fais des steaks, que les marines le rond de civil de premier bras et de dernier. Ça fait des steaks, fais des steaks, et vous assure la win. Qu'importe le match, mais ils sont pour nous. Oh là là, mais comment on les mange. Si tu lèves les bras après chaque victoire, si toi aussi la nuit tombe et tu te dis peut-être qu'il est trop tard, il faudra aller bosser, tu peux pas jouer toute la nuit. Si toi aussi tu regardes en bas, à droite sur SC2, mais que l'horloge te dit basta après 3 ou 4 heures de jeu, si tu te lèves et que pourtant t'as pas envie d'aller au lit. C'est que t'es un geek, mon gars, assume, tu en as le cran. T'es un geek, mon gars, assieds-toi devant l'écran. Si toi aussi tu as la haine et que t'as envie de rage quit parce que pour toi gérer des games ça vient à mesurer. Je crois que les pauvres en face t'as comme une douleur dans
franchement, on a un score ultra monstrueux, mais avec chaque coup de moi qui se mord. Et 3 fois, on a cumulé quoi. Donc, c'est méchant sur l'ambiance. Je le prends pas luxe, mais pas loin. Si allongé dans ton plumard, tu te demandes comment c'est ailleurs. Si tu te dis cadeau de mutat, t'irais bien plus vite qu'en voiture. Si tu prends ton café des clopes, comme un mari, je prends son style. T'es un geek, mon gars, dans ton monde bien construit. Et dans ce là, mon gars, j'aimerais bien rester aussi. Si tu peux suivre sur internet les meilleurs games, les meilleurs LAN. Si tu peux adorer Sarens comme un foutu adulte Zidane. Si tu débats sur les forums à la sortie du nouveau patch. Si on peut tous gueuler en cœur les fossiles et les vaisseaux mères. Si les gens qui passent à côté pensent qu'on parle une langue étrangère. Et si on peut se bouger le cul à 500 pour voir un chômage. On est geek, mon grand, faudra bien te faire une raison. La force, c'est mon des lunettes et des boutons. Mais on est geek, mon gars, comme des centaines de milliers. Dans ce monde-là, on l'a, notre place dans la société. Ouais. Oui, non, enfin, en fait, j'ai fait cette chanson à la base parce que j'étais un peu en colère parce que... Laissez-moi faire. C'est trop rigolo comme je les kite. Station orbitale, après le bras de train, je t'avance, mais j'ai du mal, j'ai de la confiance. Chez moi, ça sent le goût, ça sent la noisette, ça sent presque comme nous. Et quand je tombe dans le piège, tu ramènes ton piège. LOL! Bon, ben voilà, vous avez vu un peu de gameplay d'Harry. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gens!